gars, quand je vois tous ces enfants, je me dis, mais putain, c'est le top, quoi. Ah ouais, tu vois, le pari est gagné, quoi, c'est génial. Madame Pérez, alors ce carnaval, c'est une magnifique animation pour le village. Tout à fait, on est très fiers de l'APE notamment qui a organisé cette manifestation. Ça rassemble énormément de monde chaque fois et on est super contents. Après, c'est en association aussi avec le centre de loisirs qui a fait un char et le périscolaire et bien sûr la mairie. Donc la mairie est contente de cet événement qui va se renouveler d'année en année. Oui, on espère qu'on ne sera pas à nouveau embêté par le Covid, mais oui, effectivement, ça sera renouvelé chaque année. Alors le village a beaucoup d'enfants, donc l'APE est grosse, c'est une grosse association. Oui, écoutez, ce sont les parents d'élèves donc, qui ont animé cette manifestation et vraiment on les félicite parce que c'est grâce à ce genre de rassemblement qu'on arrive aussi à réunir autant de monde sur le village. Grand merci. Merci. À la... Sandy, alors, tu es contente, c'est une journée magnifique, un carnaval magnifique. Oui, on est super heureux, l'APE, vraiment, avec une belle journée. Monsieur Carnaval a bien brûlé. Donc, je remercie le centre aéré, les Francas, pour nous avoir fait donc, ce magnifique Monsieur Grou, car comme vous pouvez voir, nous sommes un peu déguisés tous en mignons. Et donc, je remercie aussi Batout à Pic, la troupe qui s'est aussi déguisée en mignons. Donc, c'était super. Donc, voilà, vraiment, on est content de cette journée. L'APE offre aussi donc, le château gonflable ainsi qu'une pêche au canard pour les enfants, donc aussi pour qu'ils passent aussi un bon moment.